sont très fiers de partager un sujet qui est aussi important pour l'économie mondiale et les plus en particulier notre économie marocaine, dans un Maroc qui est en train de vivre une renaissance, qu'il soit sur le territoire marocain, qu'il soit sur notre continent africain, avec tous les challenges et tous les projets qu'on est en train de suivre. Et le cap, il est aussi clair pour une amélioration continue d'un climat d'affaires propice pour de nouveaux investisseurs et ramener et éventuellement catalyser les investissements qui sont en cours. En marge de cette journée, nous avons signé une convention intéressante avec la CGEM, nos banques populaires, mais aussi notre bras armé qui est la fondation Création d'entreprises, qui nous assiste dans tout ce qui est assistance aux entreprises, à la création d'entreprises. C'est tout ce qui est appui non financier. Donc la fondation apporte tout ce qui est encadrement, tout ce qui est formation, tout ce qui est assistance. Donc l'objectif de cette convention est triple. Premièrement, c'est de pouvoir accompagner le tissu actuel d'entreprise et lui donner tout l'apport et toute la contribution financière pour développer ces entreprises qui sont déjà existantes. Deuxièmement, mettre en place, et bien sûr tout ça en s'appuyant, en s'arrimant sur les dispositifs étatiques qui sont très intéressants, la charte de l'investissement, Cap Access, Cap Hospitality, etc. Deuxième chose, c'est comment aider les jeunes promoteurs, les créateurs de projets à initier leurs projets. Nous avons aussi des programmes intéressants de financement qui sont en Telaka, qui sont toujours d'actualité. Et troisième sujet, c'est comment organiser des rencontres pour la promotion de tout ce savoir-faire, pour mettre les opérateurs en réseau à travers à travers du B2B, mais aussi organiser des rencontres nationales, internationales, pour traiter de divers sujets.